Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui du nouvel événement qui va pointer le bout de son nez ce mercredi 13 décembre à midi. Il s'agit de l'événement Tide of Desolation, qui est la suite de Tide of Shadow et Tide of Corruption. Alors je crois avoir dit Tide of Corruption sur ma vidéo sur l'1.15 que j'ai sorti hier, mais c'est pas bien grave, je pense que vous l'aviez de toute façon. Alors cet event il fonctionne de la même façon que les events précédents. Je vais quand même en détailler les principes s'il y en a qui ne connaissent pas, je pense que c'est la moindre des choses. Donc tout d'abord vous avez une barre de progression lorsque vous lancez le jeu de 50 niveaux. À chacun des niveaux vous avez des récompenses, chaque niveau faisant 1000 points d'événements, donc vous devez gagner 1000 points d'événements pour passer au niveau supérieur. Pour gagner ces points d'événements, il n'y a pas un million de façons, mais il y en a quand même quelques-unes. Premièrement, vous pouvez en gagner 30 en vous inscrivant avec au moins une prime ou sinon en terminant le mode en âme résiliente. 12 points en bannissant un boss cible, 12 points en fouillant des chasseurs, 10 points en récupérant des indices, donc c'est les indices événements ou des failles, 6 points en fouillant les hôtels et 3 points en les détruisant. Alors il y a aussi une autre façon, ce sont les défis hebdomadaires, donc ils sont réinitialisés tous les mardis soir ou mercredi, je ne sais plus, un truc dans le genre. Donc ces défis sont très intéressants parce que vous pouvez en faire 9 gratuitement, chacun vous rapportant 750 points d'événement chacun, soit 6750. Mais si vous avez le Battle Pass, j'en parlerai un petit peu après, vous en gagnez un supplémentaire, soit 7500 points d'événement par semaine, ce qui fait 7 niveaux et demi. Honnêtement, si vous jouez régulièrement, vous faites les défis, vous allez faire l'événement le doigt dans le nez. N'oubliez pas aussi que vous avez certains chasseurs légendaires qui ont déjà prêté serment à un certain pacte, et lorsque vous les prenez, donc vous pouvez voir dans la liste des chasseurs, vous avez une petite icône qui apparaît en plus, et ces chasseurs, lorsque vous les avez, vous avez 10% de gain de points d'événement en plus. Alors à chaque niveau de l'événement, vous allez gagner une récompense. Ça peut être des chapitres de l'histoire à lire et à écouter de Tide of Desolation. Ça peut être le déblocage d'une arme et d'une munition spéciale. Alors encore une fois, je vous renvoie sur ma vidéo sur la 1.15 pour le détail sur toutes les armes et les munitions. Ça peut être le déblocage d'un skin légendaire, donc d'une arme ou d'un chasseur légendaire. Alors vous en avez deux de chasseurs légendaires. Vous avez le 13e matelot à débloquer au rang 25 et l'apiculteur à débloquer au rang 50. Et enfin, vous pouvez aussi gagner des bons de sang. Donc vous avez 6 fois 100 bons de sang répartis pendant tous les niveaux. Donc je suis 100, c'est quand même pas mal. Vous avez comme toujours la possibilité d'acheter des niveaux, chaque niveau coûtant 200 bons de sang. Très sincèrement, je vous le conseillerais pas, sauf si vraiment vous voulez vous dépêcher de tester une certaine arme. Mais encore une fois, normalement, vous n'avez pas besoin de ça si vous jouez un petit plus régulièrement que vous faites les défis. Parlons maintenant du pass de combat, donc il coûte 1000 bons de sang, il n'est pas du tout obligatoire. Ce qu'il va vous donner en plus, c'est des skins exclusifs que vous avez gagné à certains niveaux, donc si vous n'avez pas le pass, il y a des niveaux qui vont rien vous rapporter. Et également, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est les 750 points d'événements supplémentaires lors de défis hebdomadaires. Donc 1000 bons de sang, sachant que vous allez en gagner 600 si vous faites tout l'événement, ce pass va vous coûter que 400 bons de sang, c'est pas énorme, essayez d'y réfléchir, vous avez pas mal de skins, c'est à vous de voir. On va passer maintenant au pacte. Alors premièrement, aucun trait cette fois-ci ne sera boosté en prêtant serment à l'un des pactes. C'était le cas dans l'event précédent, mais là c'est pas le cas. Donc dans chacun des pactes, vous allez avoir deux traits. Le premier trait qui va vous coûter une marque de serment, et c'est un trait on va dire normal. Et le deuxième trait qui va vous coûter deux marques de serment, qui est un petit peu plus puissant, mais c'est un trait brûlé, c'est-à-dire que dès l'instant où son effet va se déclencher, ce trait va disparaître de votre liste de traits. C'est pour ça qu'on peut le stack jusqu'à 3 fois maximum et pas plus, comme ça vous pouvez utiliser 3 fois dans une même partie. Vous pouvez gagner une marque de serment en faisant l'une de ces 4 actions. Donc c'est le premier bannissement d'une cible dans votre partie, la première fois que votre équipe va fouiller un chasseur tombé, dès lors que vous aurez récupéré au moins 30 points d'événements dans la partie, et enfin, alors ça c'est hors partie à la prime, c'est lorsque vous gagnez en partie âme résiliente. Voilà pour le principe, parlons maintenant des pactes en eux-mêmes. Le premier étant le pacte noyé, et on va y retrouver des traits que l'on connaît déjà. Le premier c'est le trait marinier, donc il coûte une marque de serment, et celui-ci lorsque vous l'avez et que vous vous retrouvez dans l'eau, votre régénération de santé et d'endurance va être augmentée. Pour la santé, ça va faire exactement comme si vous avez une seringue de régène, même si vous n'en avez pas. Donc votre santé va automatiquement se régénérer, ainsi que votre endurance cette fois-ci. Avant, il n'y avait pas l'endurance. Sachez que ce trait fonctionne également avec le trait vigueur. Donc si vous avez vigueur et vous faites en vision occulte et vous êtes dans l'eau, vous allez être
et de booster. Donc si vous voulez faire du grand gros gueule avec ça, c'est les doigts dans le nez. Le deuxième trait, c'est le trait remède. Donc il coûte 2 marques de serment. C'est un trait brûlé qui se stack 3 fois. Et ce trait va vous permettre, lorsque vous interagissez avec un trait dans le jeu, effectuer une régénération, c'est comme un bannissement pour toute votre équipe. Donc tout le monde va récupérer ses barres de santé. On le connaît déjà, je ne vais pas non plus m'attarder dessus, c'est un super trait. Vous allez voir d'ailleurs que les trois pactes ont des avantages et sont assez bien équilibrés. Le deuxième pacte, c'est le pacte démentiel. Alors on va y retrouver le trait berserker, donc c'est un trait normal qui coûte une marque de serment. Et ce trait va faire en sorte que vous allez doubler les dégâts que vous allez faire avec votre arme de mêlée. Pour vous donner une ordre d'idée, si vous avez une bombe lance et que vous attaquez un sac à viande, en 3 coups, il est mort. Pareil pour Gangrogue, en 3 coups il est mort, c'est juste une tuerie. Je pense que sur console ça va être dingue, mais même sur PC hein, parce que vous avez certaines armes, vous êtes sûr en fait de tuer un chasseur même si vous le tapez dans le bras ou dans le bus, etc. Enfin c'est du tout cuit, donc ça peut vraiment être très très fort. Le deuxième trait, on le connaît, celui-ci c'est le trait carnage. C'est un trait brûlé pour 2 marques de serment. Et ça va faire en sorte que lorsque vous allez tuer un chasseur ennemi, si vous manque au moins une barre de santé, vous allez effectuer un effet de restauration sur vous-même uniquement. Donc vous allez récupérer toute votre vie et toutes vos barres. On le connaît déjà, il est super puissant, super agressif. Et combiné au trait berserker, ça peut vraiment être formidable. Le troisième pacte, c'est le pacte terrestre. Et le premier trait, c'est saut de l'ombre, qui coûte donc une marque de serment. C'est un trait normal. Qu'est-ce que fait ce trait? Il est très particulier. Donc lorsque vous allez interagir en distance, donc en vision occulte avec un monstre dans le jeu, vous allez en fait, donc jusqu'à une distance de 50 mètres, hein, vous allez vous téléporter à l'endroit où se trouve le monstre, et le monstre sera intégralement détruit, même si c'est un sac à viande. Donc également très pratique pour vous déplacer rapidement sur la map, et également bah, tuer des ennemis, faire de l'XP, etc. Par contre, faites attention avec certains mobs, notamment si vous faites avec une ruche, bah, vous serez empoisonné si vous n'avez pas de seringue contre le poison. Si vous faites sur un cuirassé barbelé, bah, vous aurez du saignement, et si vous le faites avec un immolateur, vous allez automatiquement brûler 25 points de vie, soit une petite barre. Alors sauf si vous avez salamandre, hein, auquel cas vous pourrez garder les vous arriverez à sauver votre barre. Voilà, c'est vraiment extrêmement unique. Je pense que c'est super fun. Est-ce que c'est viable? J'en suis pas certain, mais il y a peut-être un truc à faire, on va voir. Et enfin, le dernier trait, c'est dernier souffle, justement, qui coûte 2 marques de serment. C'est un trait brûlé. Et ce trait, il va effectuer en fait une restauration sur votre chasseur dès lors que vous allez looter un cadavre et qu'il vous manque voilà, au moins une barre de vie. Donc tout simple, on connaissait déjà également, voilà, très pratique pour les solos, enfin pour plein d'utilisations. Par contre, hein, c'est un trait brûlé, hein, dès qu'on fait une fois, hop, il disparaît. Voilà un petit peu pour les pactes, je suis passé très rapidement parce qu'il n'y a pas non plus un milliard de trucs à dire. J'en profite également qu'il y aura donc un nouveau temps de jeu qui s'appelle Ash Bloom, et ce temps de jeu, c'est en fait à la suite d'Inferno où tout a brûlé, donc il reste les cendres, et pareil, les cendres vont évoluer, on aura une partie plus claire et une partie plus sombre. Bon, vous connaissez mon point de vue sur le sujet, je suis pas hyper fan quand on voit rien, quand on entend rien. Ce que je sais, c'est que par contre, voilà, quand on sera en mode sombre, vous allez avoir les chiens dans les cages qui vont se mettre à hurler, etc. On n'aura pas les corbeaux qui vont partir, je crois, mais on aura voilà, des petits sound triggers qui vont se mettre un peu partout. Donc ça peut donner une ambiance formidable. En général, de toute façon, il y a toujours une superbe ambiance. J'ai vraiment hâte de tester ça en vrai, et j'imagine que vous aussi. Voilà, je pense que j'ai fait un bon tour dans la vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique de l'événement, où vous avez des bundles, vous avez des armes spéciales également, contre des monts de sang. Si vous êtes comme moi un petit peu, si vous avez la collectionnite aiguë, bah, alors, à y faire un tour avant la fin de l'événement. Et puis voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'aimerais saluer encore une fois tous ceux qui participent financièrement à la chaîne. Vous êtes vraiment des amours, je vous aime beaucoup beaucoup. Et voilà, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao. We'll be right back.